dont il a... Le sénateur va impliquer ni de près, ni de loin, même de très loin. Dans le complot, ça, il y a envie de fourrer là. Parce qu'il me paraît que les gens qui font complot, ils ne vont pas faire ça. Je cite un sénateur qui a fait un dossier mal fagoté, que même pas un envie de nommer nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas faire ça. Pour qui ça? Nous sommes à la veille des élections, le sénateur est un homme très populaire dans le Nord-Ouest. Il y a un candidat qui est bien placé dans la police là. Oui, il veut faire place nette de sénateur. Qui est ce que je connais du bal de démissionner pour la candidature. Et même apprendre. Bon, c'est un Gilles qui n'a de CPJ qui n'a préparé le rapport et Mario Léon Gilles qui a rapport. Son rapport, il a fait pour enterrer le sénateur. Dieu soit loué! Il est vivant. Il est vivant et comme vous pouvez le voir, il est là à côté de moi. Donc, pas de dossier! Maintenant, je dis pas de dossier et m'apprendre tout que je batte dans mon lieu, ce que la loi interdit. Et j'entendais ça, avocat par eux. Ou pas qu'il doit, article 25 de la Constitution, ou pas qu'il doit attendre au monde sa avocat, voir ou battre. Parce que c'est même si qu'on me fait habitude. Que ben vous dites 7 jours, 22 jours ou moins alors que la constitution de 48 heures. Tout bien, je vais vous dénoncer, vous autres journalistes, parce que vous voulez arrêter nous, il y a battre nous tout. Il y a battre nous. Donc, ça me le dit nous en gros. Le sénateur a venu le temps de nous déblosada, il volontairement pas être devant lui. Pour qu'on ait de quoi il s'agit. Et quand nous avons été informés, nous avons tellement saisi par un dossier. C'est non, il y a besoin de citer pour le dossier. Son complot est offert pour eux, mettre hors d'état de nuire pendant les élections de sénateurs au nom de Louis. Un homme très populaire dans le Nord, parce que nous tous nous connaissons. Que nous tous nous connaissons. Je ne sais pas si c'était de bagaille parce que moi, je fais réserve. Mais moi, dis nous pas que le dossier sénateur va expliquer. C'est ça, nous faisons valoir le juge là qui avance pas bien avec le dossier ça. Qui ça suivi au Galier maintenant? Ça dit frère. Ça suivi au Galier. Bon, c'est juste qu'à répondre, ça suivi au Galier. Bah, juge. Mais moi-même, pour moi-même, le juge est édifié. C'est deux employés sénat qui demandaient le président du sénat d'alors. Bon, il va mettre dans le dossier. Qui s'y est pas ça, il va mettre dans le dossier. Le collègue Lambert, qui te baille deux Mounsayo, un contrat, et contrat pour faire chemin normal et à coup sur des comptes, il vient de monter 9 mois, qui vient de bailler en fait de 600 000 gouttes de fâche. Sénateur, non, je n'étais même pas en Haïti, le Sahara. Là, il vient de lui jouer, sénateur Lambert signe un contrat, voilà. Donc, il y a un problème avec qui ça vient, blablabla, il n'y a pas de location machine. Non, sénateur, il n'y a pas de location machine. Si on a besoin qu'on ait ça gagné, écoutez, à payer une louée machine dans le même monde, mettre la gaille là. Il y a à payer, il y a des petits chèques qui baillent. Location, oui. Il y a des loués. Donc c'est ça le dossier, en gros, mais aujourd'hui, nous gens, pour mettre nos sénateurs à la donne, pour comment on doit ça l'imaginer. Quand il y a quelque chose qui vient mettre tout le monde, parce que tout le monde, quand il y a quelque chose qui vient mettre tout le monde, parce que tout le monde, c'est un sénateur. Sénateur, oubliez, tout le monde, sénateur.
Bonjour à fidèles auditeurs et téléspectateurs, Le Point et Radio Métropole. C'est un honneur pour moi sur plateau là pour nous partager ensemble les difficultés que le pays a traversé, surtout en produits pétroliers. Merci. Duclos Bénissois, bonjour. Merci parce que vous répondez à l'invitation Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tous les téléspectateurs Métropole et particulièrement fans de l'émission Le Point. C'est un plaisir vous avec nous matin. Moi, salut Paul et salut Kamadbi, qui est côté de là et tout le monde qui a fait quoi collaborer avec nous dans la radio et dans l'émission. Ça, je souhaitais que nous passions ce moment ensemble pour nous capables. Oui. Qui ça gagne véritablement. C'est ça, merci. Nous, pardon, pas oublier, salut tous les chauffeurs, tous les syndicalistes et la population en général. Nous, Changeux BU, bonjour, merci pour répondre présent. Bonjour Wendel, bonjour Paul, bonjour Diclo, et bonjour tout le monde qui a regardé et qui a attendu Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour nous matin pour nous parler de ce qui concerne nous en ce qui concerne le transport. Alors, actualité en tout le monde connaît, depuis plus passé une semaine, automobilistes ont une grosse difficulté pour approvisionner en carburant dans la station service. Est-ce que c'est tout simplement en question de gaz qui pas gagne, rareté, ou est-ce que c'est une pénurie, ou bien est-ce que c'est un rationnement provoqué tant que l'autorité Odili? En tout cas, ce qui est évident, c'est que dans la rue, il est difficile pour les gens faire gaz, et ceci depuis quelques jours, c'est de longues files. Mon constaté qu'il y a une station gazio, mon besoin pour un gaz, je ne sais pas comment ça passe. Donc, ça peut provoquer mécontentement, disons mieux, colère même. Et en pile haïtien, côté que dans plusieurs zones, dans le pays, et dans Port-au-Prince notamment, il y a une barricade, il y a un pile des autres routes qui bloquées hier dans Delma, dans Pétionville, Tabar, Lalu, Bourdon et Latrier. Ce n'est qu'à la mi-journée que la situation est un petit peu améliorée. Actualité arrêté toujours ça, mais qu'on l'autre actualité encore. L'autre actualité, c'est jeudi, Premier ministre nommé Fritz William Michel, qui a invité pour venir dans le Parlement, pour venir faire déclaration politique générale, à la stupéfaction de tous. Matin, encore une fois, Chambre Baslan l'a saccagé. Et il y a des journalistes qui font état de quelques parlementaires de l'opposition qui font ça. Donc, soit suivre nous là sur télé, sur chaîne 52, ou regarder comment les parlementaires haïtiens mettent tête en bas et chambre députée, hein, toutes chaises crasées, tout bureau crasé. Et c'est justement pour empêcher que séance en fait jeudi, hein, côté que normalement à partir de 11h, et Yota Pral assisté à, si nous avons dit comme ça, à une séance de ratification ou non de déclaration de politique générale de Premier ministre Nouméa. C'est un événement qui reproduit, c'est une scène qui reproduit, puisque nous avons vu ça déjà, quoi, c'était récemment au Sénat de la République, côté des parlementaires de l'opposition. Mettez tête en bas, chambre Sénat, pour dire non à une séance qui n'a pas le fait également. Est-ce que ça va devenir la pratique ou encore la norme? Et donc, nous pas connaît, en tout cas, ça fait deuxième fois. Au moins, lorsque c'est pas bataille qui gagne dans le Sénat, c'est bureau que vous mettez tête en bas. Avec invité, nous, avant que nous commencions à parler de questions gaz, là, qui c'est véritable préoccupation haïtienne aujourd'hui, hein, c'est pour une petite réaction tout court, bon côté invité, aux amis invités qui là. Et changez mes yeux, au cas réagir à ça. Bon, une autre fois encore, nous saluons tout le monde qui a regardé, qui a entendu la radio. Qui est l'État dans le pays? C'est mettre une structure pour le pays à fonctionner. À chaque fois, où est une équipe qui a pris les sous-coques par là, mais c'est toujours comme ça pour ça finir. Parce que, pas oublier, un monde qui a fait loi pour le pays, il n'y a pas n'importe qui. C'est toujours crème, dans tous les pays du monde, c'est toujours crème dans pour prendre. Parce que au bon va penser pour un pays là n'importe, mais c'est ça qui mettait dans ça nous là. Chaque équipe après les sous-coquio, mais si on va un pays qui a pris glace, on va gagner vagabondage. Nous mêmes on faut arriver penser pays ça dé à jusqu'à Z. Merci du club Bénissois, ou en réaction même. Oui, en tant que citoyen, les ça passer dans pays où pas gagner réaction, mais réaction moi par rapport à ça,
ça fait là exactement ça Kamad Bey se dit, c'est un manque de responsabilité d'autorité. Si gon raison qui fait ça te passer non, au niveau du Sénat. Maintenant et député il divisé en deux, c'est-à-dire un groupe majoritaire, un groupe minoritaire. Majorité elle pas forcément dit moi même gain gros force, on ca faire passer comme ça tout minorité pas dit moi même m'a fait sembler. Mais lorsqu'il y a ça n'a rien les points de droit qui fait, puisque c'est la chambre qui fait, c'est l'autorité, c'est le député qui fait, il faut attendre. L'on pas attendre, on peut avoir une même réaction ça tout le temps. C'est même genre tout. Lorsqu'on dit président, pas fait tel bagaille, il fait, on a une réaction. Et c'est même bagaille qui a passé là. Si on écrit Cour de cassation, puis on demande si on soit son bagaille, si on soit son lit, l'on aller comme si on dit, bon, moi-même, je vais quand même, on comprend, on peut une réaction. Mais si nous sommes d'accord, mettez-nous chita ensemble, depuis que nous sommes d'accord, même parce que réaction, ça va être fait. C'est vrai, c'est quand même déplorable quand on est pas crasé, chez ça crasé, et ceci l'a crasé au plus haut niveau. Ce n'est pas seulement les peuples à craser. Ils nous disent que les peuples sont anarchistes. Mais même pas être anarchiste là-dedans. Moi, on manque de responsabilité. Mais nous n'avons pas besoin d'arriver dans craser toute la Sainte-Journée. Bon, pratiquement. Nous le... non, déjà la donne, puisque ça fait me dire est-ce que nous passons route pour que ça devienne. Il y a une règle. Voilà. Et Renaud-Paul, ou là, on suit, vous avez une réaction à ça? Oui, et Wendell, encore une fois, je salue téléspectateurs et auditeurs radio-télé. Métropole. Et ça qui passe là dans le Parlement matin, il n'est pas étonné. Depuis hier, je pense à ça. Et personne ne dit que le privé. On connaît ça, t'as étonné si ça va arriver. Parce que ça fait partie de notre refus de dialoguer. Haïtien Pavlé, chita ensemble pour nous poser les vrais problèmes du pays, ensemble pour nous joindre une solution pour nous sortir du pays dans sa lière. Et ça arrive là, il fait partie du climat d'insécurité généralisé qui est dans le pays. Et ça fait partie tout de manque d'autorité, genre Duclos Odilla. Et il y a un parlement qui va faire une séance de ratification qui va commencer à 11h, pour qu'il soit 7h, pour qu'il y ait des députés qui sont en bas. Si il y a un monde qui a pensé, comme président chambre des députés, M. Garibaldo, ou tu dois arranger, parce que ça a été fait déjà dans le Sénat, ou tu dois arranger pour sécurité qui est responsable en Saint-Nan à partir de 10h30 pour quitter mon rentrant là. 10h30, majorité députés à Bietan là, ou fait tout le monde presque rentrer ensemble, il va être difficile pour que les gens fassent ça qu'ils veulent faire. Ça montre que le pays n'est pas géré bien. Par exemple, aucune planification qui fait pour ne pas passer bien dans le pays. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est une réaction, tout le monde estime qu'il n'est pas normal. Et bon, ça, pour me dire, ça, je ne suis pas fini d'accord avec camarade. Parce que, j'ai une réaction, ça, puis le fait, j'ai le fait, là, parce que pour tout le monde était invité, là, pour faire le spectacle. Parce que, pas oublier le tout fait. Parce que, pas de équilibre, pas de mécontentement, on bon. Et rôle, monsieur, c'est chita ensemble d'abord pour finir tomber sur on prend d'accord, on prend ensemble, laisse ça, pas de réaction ça. Mais depuis qu'on groupe qui satisfait ou pas satisfait, a toujours déjà des mouvements ça. C'est harmonie qui pas gagné dans le monsieur qui mène ça avec fait là. Il t'a plus grave si ce n'est pas dans une vidéo, tu l'as fait. C'est peut-être ça, moi, je dis que c'est notre refus de dialoguer. Si une chita, non, dialoguer, nous poser problème. Et il y a un vieil adage qui dit qu'il y a un problème identifié, il y a moitié résoudre. Alors, Wendell dit, nous ne sommes pas d'accord. Bon. Non, moi, je me sens que nous, tout le monde exprime des accords. Non, écoutez bien, il n'est pas d'accord ou pas. Nous n'avons pas exactement raison de faire le fait là. Il y a raison. Hein? Parce que le fait que je me dis, moi, c'est 3 graines, ou moi, c'est 20, ou décider de faire ma gueule. Même ça pour me faire, pour me faire campier, m'a fait. Parce que c'est mon, et tant pour même tout, bien droit, bien droit. Et c'est ça, et le problème de là. Mettez-nous d'accord, monsieur. Nous dans la chambre ensemble. C'est-à-dire le fait qu'au majoritaire, ou décidez de m'a fait et me font point de droit, moi écrit en instance. Donc, vous êtes d'accord. Vous n'avez pas d'objection à. Non, moi, je ne dis pas en place, je ne vais faire, mais si je ne vais pas faire tout. Ok. Je ne pas en place, ça dépend de ce que je fais. Ça dépend de gens qui viennent. Parce que si vous avez un bon souk toute la semaine, vous avez un bon souk dans la tête.
Mon cher, si son roche m'a pas cassé, m'a cassé tout. Parce que c'est comme ça m'a réagi. Mais nous pas besoin d'arriver là si nous mettons d'accord, Jean-Paul dit, pour nous chita ensemble, pour nous résoudre le problème, ou qu'on aime pitié, ou protéger, ou qu'on a un grand respect. Aussi simple que ça. Bon, maintenant nous parlons de l'autre question. Vous voyez la question gaz, non? Si vous avez une parole là. Bon, et question gaz là, bon, d'abord, je vais commencer pour nous parce que moi-même, c'est secteur, son secteur, j'ai 20 ans là-dedans. D'ailleurs, je travaille pour Total pendant 12 ans dans le département de marketing comme commercial. Son secteur, je connais le problème de bien. Et je vais commencer pour me dire que, d'abord, Haïti, nous avons un problème de stockage. Tevaza avec toi. Il y a 910 000 barils de gaz seulement que vous deux êtes capables de prendre. Et Trista, une nouvelle compagnie qui fait venir, il y a 125 000 barils. Or, le pays a un total de 1 035 000 barils de gaz que nous sommes capables de stocker, capacité de stockage. Nous consommons en moyenne 17 à 20 000 barils par jour. Lorsqu'on prend 1 035 000 barils, et capacité de stockage non, pour tout pays, hein, ou divisé par consommation non, par jour, qui c'est 20 000 barils, nous avons capacité pour 52 jours seulement. Un pays qui a plus que 12 millions, près de 12 millions de monde qui vivent là-dedans, nous avons capacité de stockage pour 52 jours. Alors qu'en République voisine, Saint-Domingue, capacité de stockage pour 6 mois. C'est là pour nous que. Là, son problème qui t'a supposé résoudre pour t'avoir augmenté la capacité de stockage pays. Je veux dire, dans la situation que nous y a là, nous ne pouvons pas parler de capacité de stockage parce que nous avons faible capacité de stockage, nous avons l'argent pour nous commander gaz. Et si nous avons capacité de stockage pour 6 mois, qui ça nous a fait? Bien entendu, il y a des avantages lorsque nous avons capacité de stockage qui pour 6 mois ou bien qui pour 1 an, ou qu'à anticiper ce prix de gaz là. Mm-hmm. Ou capable d'acheter dans le moment que le prix est lié à la baisse là, et puis le prix est venu monter comme nous avons un stock là déjà, ou pas pour monter le prix à la pompe. Le ça pays à la bénéficier. Et qui raison d'après moi qui fait pas gagner plus capacité de stockage? Eh bien encore c'est mauvaise gestion, mauvaise planification dans pays là, nous pas bailler priorité à ça qui gagne priorité. OK. Alors il y a un prétexte que en pile haïtien ou bien autorité ont avancé et qui fait que le problème ça les répéter. C'est parce que l'État continue à subventionner prix gaz dans la pompe. Gagne avec moi deux syndicalistes du secteur du transport, pas n'importe qui monde, et Changer Mehu qui gagne plusieurs associations de chauffeurs, syndicats qui ensemble avec lui, et du club béninois également. Monsieur Sao très très fort, et si bien comprendre, en termes de contrôle ou bien et même rapport que vous gagnez avec des automobilistes. Jodi a gen moun ki pense si l'État a décidé intervenu pour si l'État a accepté uniquement subventionner secteur ça ou encore pour éviter que subvention ta général, gen moun ki pense problème que n'a pas rencontré jodi a, nous te cap pas rencontrer. Changer Mehu, est-ce qu'on d'accord pour ta gon pour ce secteur port là seulement qui t'a subventionné? Or, l'autre fois encore, et on donne la fois comprendre ça, dans tous les pays du monde, transport en commun sont avec déficitaires près de 30 à 40%. C'est ça que tout l'État, dans le monde, toujours accompagne les gens qui dans le secteur transport en commun. Nous-mêmes, ça n'a pas comprendre, tout le monde est caché dans le gaz, par exemple, qui a fait une clé de la part de l'État. Ça, nous ne le dit pas là. Moi-même, je me rappelle où. Vous rappelez-vous, sous le gouvernement, ça a été pris comme dans le trésor public, puis on a bâti une réserve stratégique pour le pays. Nous ne savons pas qu'on connaît. Quand ça a passé, qui ça a eu là avec nous? Pas jamais suivi, parce qu'on a pris comme dans le trésor public, puis on a bâti une réserve stratégique pour le pays. Bon, je ne sais pas si mon temps, mais tout le monde s'en va au courant. Vous rappelez-vous, le député du Sénat, qui est Maurice Oudelma, qui a été soulevé, et puis détruit, il a tiré, il a dit, soit nous parlons de Dieu. Parce que quand on a caché dans l'État, on a fait gaz, la personne ne peut pas comprendre. En parlant de subvention, qui ça lié? Transport en commun, c'est l'État qui a le prince en main.
Mais puisque l'État n'a pas qu'à faire pour contenir, nous même dans le secteur privé, qui t'a de développer un partenariat public-privé pour nous avoir un transport plus ou moins monde capable de fréquenter. Mais ou capable de transporter un malade dans tout le col. Mm-hmm. Non, mais alors, en répondant à la question, oui. Est-ce que si vous ciblez, est-ce qu'il y a une subvention ciblée, est-ce que ça est capable d'aider? Oui. Et en partie, nous pouvons aider. Par exemple, nous avons déjà transport en commun, c'est le rôle de l'État pour l'accompagner nous là-dedans. Mais nous-mêmes, dans le transport, nous avons chita déjà, nous avons commencé à travailler sur comment la subvention ciblée est capable de faire, qui peut permettre leur coût, même si le gaz vient de monter. Pour par rapport à la population qui a utilisé le transport en commun pour lui-même, il va subir des augmentations. Il est capable de faire. C'est un ou l'autre. Oui. Parce que depuis, par exemple, depuis la situation. C'est ça, général ou bien ciblé. Oui. Général, ciblé. Tout le monde a payé le cognac là, tout le monde a payé les conséquences, mais s'il ciblé, c'est le transport en commun. C'est un secteur qui a soulagé là-dedans lui-même. C'est la population, là, parce que la majorité n'est pas oubliée. La majorité de la population, c'est le transport en commun au point. Ok. Et donc, vous-même, vous souhaitez ça ou vous êtes d'accord? Nous souhaitons que vous fassiez une situation ciblée d'une façon pour aider la population à sortir dans sa liée. Duc le bénissoir, et vous-même, réaction pour? Bon, réaction, elle n'est pas. Et trop différent. Pourquoi? Mais il n'est pas trop différent. Peut-être nous avons ajouté quelques éléments là-dedans. Parce que nous avons toujours dit l'État, Jean y a mené pays en question.